Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Endo pour Regarde dans le Rétro sur Iwasan Studio. Deuxième épisode sur Pokémon version argent. On va reprendre tout de suite là où on s'était arrêté. Touk 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 touk. Alors, on était arrêté devant la tour chez Tiflor, on va la commencer tout de suite. Qu'est-ce qu'elle nous apporte? Bah, de l'expérience déjà. C'est une bonne chose à savoir. Hop. Et surtout, à la fin, il y a une CS à récupérer, la CS Flash. Honnêtement, elle va pas nous servir pendant le jeu, juste à la fin, tout à la fin. Bah, dans la route victoire, parce que la grotte, bah, il fait noir, tout simplement. Donc, on la récupère tout de suite, ça nous donne de l'expérience. On se fait plaisir, on se met bien. J'aurais dû envoyer mon Rocool. Vu que là il y a beaucoup de Chetiflore dans cette tour, il apporte bien son nom. Hop, Chetiflore, bah du coup oui. Hop, Rocool qui est de type vol contre type plante, ça devrait le faire. Tac. Alors, si, il a tornade. Il a pas tornade. Putain. Tant pis. Ah, fichtre quand même. On va faire avec. Bon, c'est pas très efficace évidemment. Alors je crois qu'il l'apprend quand même. Il l'apprend quand même très très vite, donc ça sera pas un souci. Si ça se trouve, il va même l'apprendre là au niveau 3. Super. Hop, ça c'est fait. Tu le prends? Non. Encore un Chetiflore. Ça commence à devenir compliqué là. Avec un peu de chance, il meurt pas au prochain tour. Hii, ça passe. Oh non. Ah, j'ai raté l'attaque. Ah, sérieusement. Bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller au centre Pokémon après, parce que je vais avoir vraiment besoin de l'expérience pour Roku. Il est que niveau 3. Et niveau 12 pour Erisandre. Et oui, on a appris Flamèche. Hop, demi-tour rapidement. Faut perdre le moins de temps possible, je rappelle que c'était une course. Grosso modo, dans cette vidéo, on aura trois objectifs. Hein. Donc d'abord la tour Chetiflore, puis après ça sera l'arène de Mauville, et après ça sera les caves jumelles, et on arrivera à Écorcia et on s'arrêtera là après, je pense. Ça fera en fonction de l'heure. Hop, c'est reparti, on refait le meuleux. Tout de suite en premier. Erisandre est déjà bien niveau. Hein. Tac, on récupère la boule. Antipara, ça peut toujours être utile. Tac. Nouveau combat. Chetiflore, comme c'est original. Tac, allez.
Bon, il m'enlève que 2 PV, donc théoriquement il faudrait qu'il me fasse 8 coups. Sans compter les coups critiques évidemment. Bah tiens, voilà, coup critique. Ça enlève 1 PV en plus. Ça c'est fait. Niveau 4. Tu vas prendre tornade? Non. Jetiflore, non. Toujours pas. On garde en cool. Il faut qu'il ait cette tornade. Sinon on va avoir des problèmes avec Orsia. Enfin on va pas avoir de problème, mais ça nous arrangerait qu'il ait tornade. Niveau 5, comme je disais, ça augmente très très vite en bas niveau. Oh, j'ai de sable. Ouh, je suis le plus heureux des hommes. Niveau 6 maintenant. En espérant que je ne rate pas mon attaque, c'est bon. Super. Quand un sage a perdu, ben oui. Et il me dit merci. Bon, bah ok, il a l'air d'être gentil. Hein. Est-ce qu'on n'a pas une potion aussi? On a une petite potion. Ah tiens. Ça nous évitera de faire le trajet centre Pokémon. Hop. La bouboule. Défense plus E, bah ça c'est le genre de truc que j'utilise jamais personnellement. Donc on ira le revendre, ça fera des sous-sous. Fantominus, non, tout simplement parce que je pourrais jamais avoir d'ectoplasma. Vu qu'on joue sur émulateur, bah. Et bah on peut pas faire les échanges. Et... pour faire évoluer Spectrum en ectoplasma, faut faire un échange. Donc pareil, on n'aura pas de Machoke, Machopper et du coup Patacogneur. Il se pourrait que je prenne quand même un Abra. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh non, j'ai appuyé sur A que, sans regarder ce que je faisais. Ah bah ben voilà, du coup je suis endormi, et j'ai pas de réveil. On va essayer de... Non, ça refait char en plus. Il est insensible aux attaques normales. Mais bon, quand même, j'ai 7 niveaux d'avance, voilà, il me fait pas grand chose. Et il peut pas me paralyser avec les chouilles vu que je suis endormi. C'est le troisième tour, je crois. Quatrième tour dormi. Allez, réveille-toi mon grand. Super. Oh, il meurt pas. Hop, au coup de niveau 7, super. Bon, il a toujours pas appris tornade. Ça, c'est moins cool. Nouveau combat. Voler comme vent et feuilles. Combat. Alors, blessage. Bon, maintenant qu'on coule niveau 7, les combats vont être beaucoup plus simples, beaucoup plus rapides. Quand même 7, 4 niveaux d'écart, pardon. Avec 3 Jetiflore niveau 3. Un combat des plus passionnants.
on s'en jaille. Voilà, niveau 8. Tu vas prendre tornade ? Il la prend quand ? Allez, on y croit. Oui! Vous allez voir que les combats vont être beaucoup plus courts maintenant. Hop, dernier étage. Une potion, ça mange pas de pain. Hop, c'est parti. Je m'entraîne pour trouver la voie du Pokémon. Niveau 6 celui-ci. Souffre. Voilà, c'est super efficace, on n'en parle plus. Un enfant a gagné, eh ouais. Eh ouais ma gueule. La sieste de l'ancien éclaire même les sombres cavernes. Oui, c'est pour ça que je suis là. Une petite tornade. C'est plié. Hop. Niveau 10 au passage. J'en ai pris plein la tête. Bah ouais. Hop, on fait tous les combats par contre. Montre-moi à quel point tu as confiance en tes Pokémon. Oui. Mais volontiers, cher monsieur Bart. Niveau 7, ça se complique. Enfin, ça se complique, tu passes l'heure, ouais, on va gagner plus d'expérience. Donc non, ça se complique pas. Ah, il est pas mort. Ben zut. Tiens, ce n'est pas un Chatiflore, c'est un Hoot-Hoot. Pokémon de type vol normal, si je dis pas de bêtises. Bon, ça c'est fait. Je crois que c'était le dernier. Là, hop. Tu es sans conteste un bon dresseur. Comme promis, voici ta CS. Un conseil toutefois, traite tes Pokémon avec plus de gentillesse. Tu es bien trop âpre au combat. Les Pokémon ne sont pas des engins de guerre. Ouais, enfin quand même. Il est super nul. Oui, je sais qu'il est nul. Il raconte n'importe quoi, ouais. Oui, il faut être gentil avec les Pokémon, faut les aimer, patata patata. Hop. On récupère ça, corde sortie, on l'utilisera pas, on reprendra les escaliers, hein. Ça nous fera les pattes. Et bah c'est parti. Sois bien dit mon jeune ami, la touche Tiflore est un lieu d'entraînement. Humains et Pokémon y renforcent leurs liens pour des lendemains qui chantent. Je serai ton adversaire final. Permets-moi de mettre à l'épreuve ton amitié envers tes Pokémon. Fais donc, fais donc.
Joachim. Mais il veut pas mourir. Meurs. Allez, on va changer, on va repasser sur Erisandre. Niveau 10. C'est déjà plus la même le même délire déjà là. Clairvoyance, la capacité la plus inutile. Après Trempette, quand même. Après Trempette. Mais une légende raconte que Trempette n'est pas inutile. Et apparemment, elle aurait une chance d'enlever le changement de statut brûlure. Non, on change pas. Mais bon, c'est une légende. Je sais pas du tout si c'est vrai. Ah, excellent. 300 un Pokédollar. Toi, tes Pokémon méritaient bien cette nouvelle capacité. Prends donc cette CS Flash. CS05. J'ai jamais compris le délire. C'est la première CS que tu rencontres dans le jeu, mais c'est la CS05. Soit. Abrège, le vieux. Abrège. Hop. Hop, on passe vite fait au centre Pokémon. Quoique non, ils sont comment là? Non, ils sont bien. On va directement aller à l'arène. Hop. Donc c'est une arène de type vol normal, il n'y aura pas de difficulté. Piafabec. Je sais pas pourquoi je fais jet de sable. Un petit kiff. Oh bah ça a marché. Donc là qu'on fasse tornade ou charge, hein, c'est un peu kiff kiff bourrico. Ouh, mon dieu, ça perd les popettes. Ne jurez pas Marie-Thérèse. Hop. Y'a que deux dresseurs dans cette arène, en plus du champion. Ok, ça va être rapide. Recool contre recool, ça devrait pas être très difficile.
récupère. Et gain de temps, gain de temps. Et on va remettre Hérissant en premier. Tac. C'est parti pour Albert. Je suis Albert, champion d'arène du Pokémon de Mauville. On dit qu'avec une bonne décharge électrique, les Pokémon volants grillent. Je n'autorise personne à insulter les Pokémon. Tu vas subir les terribles attaques de mes Pokémon volants. Soit. Hop. Roucoule niveau 7. Oh. Ça c'est pas cool par contre. Parce que c'est un jet de sable et c'est aussi un attaque de type roche en même temps, ce qui est mon anti-type. Et ça diminue mon du coup ma précision. Bon, il y a que deux Pokémon, voilà un Roucoups après. C'était pas très utile. La brûlure, c'est vraiment... Limite, j'aurais préféré qu'elle apparaisse avant. Hop, c'est fini. Ah, bah champion a perdu. Zut de flûte, oh bah punaise, et donc, ce que ça jure dans ce jeu. Les Pokémon adorés de mon papa. Alors, en plus, c'est même pas des Pokémon. Et ça ose se dire champion d'arène. Badge Zephyr. Et de 1. Ça augmente l'attaque de mes Pokémon. Super. Il permet aussi aux Pokémon d'utiliser Flash une fois appris. Bah, ça tombe bien, je viens d'avoir. C'était 31. Alors, ça peut être coup de boue, justement, je crois. Coup de boue. Elle réduit la précision de l'ennemi et lui inflige des dégâts. C'est à la fois offensif et défensif. Oui, c'est vrai. Donc, quelle heure il est? Ça... Il est 54 minutes. Enfin, ça fait 50 minutes, 4 minutes de jeu en tout. On va continuer un peu. Téléphone. On a trouvé quelque chose sur l'œuf. Mon assistant est au centre Pokémon de Mauville, pourrais-tu lui parler? Ça tombe bien, il faudrait que j'y aille. Il est juste là. D'abord on soigne nos deux Pokémon. Hop, ça fait un vibe. Bon, non, pas tant que ça. Oui, je vais prendre l'offre avec moi, merci. Alors, à quoi ça sert? À rien, parce que je suis déjà ce qu'il y a dedans et ça va pas nous servir. Donc voilà, pour le faire éclore, faut juste marcher et combattre. Et ben, on enchaîne. On enchaîne, et hop, direction le sud. Et quoi sur celui-là déjà? Bien anti-parabon, ça change ça de prix. Hop. Tiens. Qu'est-ce qu'il me donne? Ah oui, Grand Miracle. J'ai pas de Pokémon de type plante et je pense que j'en aurai pas.
À voir. Hop. Je t'ai jamais vu, toi. Tu te prends pour un crack, on va voir ça. Je me prends pour rien du tout, c'est toi qui m'agresse. Qui m'agresse, pardon. Roméo. Oh, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? On va se faire un petit vol poison. Oh, génial. Une des attaques les plus chiantes du jeu. Allez. Oula. Oh. Déjà. Oh, qu'il est beau. Un magnifique ferisson. C'est une bonne chose. Bonjour, bonne fille. Ah, ouais, vers midi. Ouais, bah, je m'en fiche que tu sois hôtel. Moi, je veux me battre, je veux me bastonner. Lisse pique-nique. Hydrant femelle. Pokémon de type poison. Si je dis pas de bêtises. Que je suis content, bah oui, ça me donne de la thune. Écoute, la poule, oh, la poisse. Oh, un what, oui, j'en ai besoin. J'ai pas envie de le tuer. Oh, c'est chaud. J'en ai que 5. S'il te plaît, rentre dans la Pokéball. Oh non. Rentre dans la Pokéball, s'il te plaît, petit mouton. Sois doux comme un agneau. Oui. Très utile. Vraiment. Alors, cet oiseau pousse constamment en été, même tondu, sa laine repousse en moins d'une semaine. Non. Ah, je suis content. Oh bah. Hop, un chétiflore. Pas besoin. J'avais dit pas besoin. Hop, ça dégage. Donc pourquoi Watt? Parce que Watt ça évolue en l'énergie, puis ça évolue en Pharamp. Et Pharamp, c'est un Pokémon de type électrique, et je vous rappelle que notre rival a un Pokémon de type eau, donc ça nous aide un peu. Mais surtout pour les Pokémon à la fin, il y a un certain monsieur avec des dragons qui ne sont pas de type dragon. Je
sais pas du tout ce qu'il a en fait. Stat. Parce qu'il a même pas d'attaque électrique encore. Bon, je la remettrai en premier après. J'aimerais bien qu'il gagne au moins éclair. Pour l'instant, je vais jouer avec, avec Frisson. Titar, c'est mon anti-type, mais ça devrait le faire, je pense. J'espère. Après, son Pokémon n'est pas très loin là. Il... quelques combats et c'est bon. Bon, effectivement, ça n'a pas fait beaucoup de dégâts. Hop, super. Et niveau 15. Encore, attends, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer Watt. Vu que petit art... Ah, il fait... Bon, ça va. Vu qu'il va me faire des attaques multiples... Oh, bah... Et bah ça va pas marcher beaucoup parce que Watt c'est un Pokémon de type électrique. Je crois que ça a pas beaucoup d'effet. Oh zut, bon ça voilà. Ça c'est moins drôle. De toute façon la moindre difficulté, je change de Pokémon. Oula, bah voilà, maintenant genre. Par exemple. Ça me semble être une bonne idée. Hop. Ça suffit hein, avec l'hypnose. J'ai pas de réveil en plus. Hey, tu m'as fait perdre mon poisson, mais je m'en fiche. Donne-moi ta thune. Ouais, quand même, Pokémon c'est violent, tu te combats avec des sortes d'animaux quand même, des monstres. Et au final tu raquettes ton adversaire si tu gagnes. Combat d'animaux, raquette, super. Bon c'est un Magikarp, donc a priori je risque pas grand chose. J'enverrai Watt si c'est un Magikarp après. Parce que même avec un PV à coup de trompette, je risque rien. Oh, mais il a que des Magikarp. Oui, du coup. Oh mon dieu, il fait trompette. Ah mais je suis endormi. Ah zut. Le combat va être un peu plus long que prévu. Faut se réveiller par contre. Allez. Allez. Oui. Voilà.
pas beaucoup d'expérience. Encore un Magikarp. Combat va être long, hein. Allez, on y croit. Plus que un. Enfin, ce qui m'étonne par contre, c'est qu'il est plus rapide que moi. J'ai 2 niveaux de plus que lui pourtant. C'est quoi le dernier? Encore Magikarp. Bon, là on va changer, hein. Hop. Oh, il est au niveau 15 en plus. Que les trompettes toujours, ouais. Donc, ce que je vais faire, c'est que vu qu'il est niveau 15 quand même, je vais renvoyer Watt, mais je vais le rechanger tout après. Oh mince! Oh la déception! Il a fait charge. Bon. Bah tant pis. On soignera Watt au centre Pokémon, hein. Il apprendra probablement pas éclair dans cette vidéo. Bah non, que 63 en fait. On en est où là? Défense, t'as un bon et un mauvais pêcheur. Combat. Ok. Petite référence à la blague. Quelle est la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur? Et bah alors, le mauvais chasseur, il voit un truc dans un buisson, paf, il tire. Alors que le bon chasseur, il voit un truc dans un buisson et paf, il tire. Voilà. Coup critique, super. Je viens de me rendre compte que là je suis quand même un poids sirène devant moi et je suis un furisson avec 11 petits PV. Bon, ça va, cette attaque vraiment pas du tout qualitative. Ce qui ne sont même pas des attaques d'ailleurs. Hop, ça s'est fait. Lazare pêcheur. Je crois qu'on arrive à la fin. Ah, presque. Il y a un dernier. Mais alors, j'ai trouvé des Pokémon dans les hautes herbes. Ils sont cool et forts, regarde. Vas-y, montre-moi. Montre-moi. Momo. Un Pokémon de type ouf. Bah allez, on charge. Là par contre je crains peut-être le pistolet à eau. Bah voilà. Petite prière, ne meurs pas s'il te plaît. On va remettre Rocool du coup, parce que là c'est un peu chaud. Je voudrais pas qu'il meure, me furisson. Bon, même si je suis arrivé à la fin. Juste par principe, mon furisson ne mourra pas. Et j'aurais pas dû faire charge. Hop. Hop. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Eh petit, ça te dit une bonne Kuramolos? Je te fais un prix à 1 million de Pokédollars. Bah non. T'en veux pas, dégage.
Ah, il est map comme une porte de prison. Hein. Hop, une jolie demoiselle. Vanessa, ouais, on est vendredi. Je suis Vanessa du vendredi. Bonjour à toi. Voici un pic venin pour toi. Ando reçoit pic venin. Et alors, le pic venin, ça augmente les capacités de type poison. Oui, donc particularité sur ces versions or, argent et cristal, c'est que chaque jour, il y a un PNJ en plus qui apparaît. Et il donne comme ça une petite, un petit item qui améliore les stats. Donc là, c'est type poison, il y a d'autres trucs. Hein. Hop. Où est-ce qu'on en est ? Je vais juste me mettre devant l'entrée des caves jumelles et on la fera pas. Ah bah combat, zut. On fait le combat, on se met devant l'entrée des caves jumelles et je pense qu'on arrêtera là pour aujourd'hui. Hop, ça va être l'occasion de faire passer. What sur ce combat là. Avec des roues cool, à mon avis. Oui. Allez, allez. Il me fait plus de gars que moi, dis donc. Je vais devoir chercher de Pokémon. Je tiendrai pas le prochain coup. Ah, ils sont. Hop. Hop, super. Ils sont niveau 16. Oui. Toujours pas éclair. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer Watt, mais on va tout de suite le rappeler après parce que il tiendra pas. Ah, niveau 8, non, il tiendra pas. Brûle. Hop, one shot. Voilà. Bon, on va quand même passer au centre Pokémon parce que Watt a quand même perdu pas mal de vie. Hop, donc le centre Pokémon. Hop là. On se met devant l'entrée des caves jumelles et on sauvegarde. 1h15 de jeu. Voilà, ça sera comme ça qu'on achèvera notre épisode 2 sur Pokémon version argent. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo et pensez à liker Evasan Studio et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Bonne soirée et bonne journée à tous.